Vous écoutez Le Monde de la Philosophie dirigé par Rémi Soulier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 7 mars 2022 de 10h30 à 11h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie.fr Bienvenue dans le monde de la philosophie, bienvenue à vous, Jacques Carbou. Vous êtes philosophe, euh, discipline que vous avez enseignée en particulier en, en Amérique latine, mm -hmm. et dans votre parcours d'étudiant et peut-être même de disciple, vous avez eu la chance de, de, de suivre l'enseignement de Raymond Ruière, à, à qui nous allons aujourd'hui consacrer une émission. Vous lui avez consacré vous-même récemment un ouvrage intitulé La critique sociale de Raymond Ruière. Publié aux éditions du Verbe haut. Alors, Raymond ruière est un, un, un philosophe qui euh, est relativement méconnu aujourd'hui. Oui. Euh, il a été. Il a été connu, en mmh. revanche, euh, dans les années 70 en, en particulier, peut-être même plus précisément en 1974, oui. au moment de l'apparition d'un fameux ouvrage, La Gnose oui. de Princeton. Mmh. Euh, mais euh, aujourd'hui, on l'a un peu perdu de vue, hélas. Or, vous montrez à quel point sa pensée euh, est précieuse pour comprendre notre temps et en quoi, également, elle s'oppose à un certain nombre... Euh, D'idoles philosophiques des années 60, des années 70, et à euh, un certain nombre d'idéologies dont ces idoles-là ont été euh, euh, porteurs. Alors, avant d'en venir à, à votre ouvrage de manière plus, plus précise, pourriez-vous nous présenter de manière synthétique, euh, en, en situant simplement Raymond Ruyère, euh, sa biographie de manière, de manière très rapide Voilà, Qui était euh, Raymond Ruyère Alors, Raymond Ruyère est un, est un Laurent. Faut pas oublier. Il est né dans les Vosges, à plein fin, petit village sur le, les, les, dans le massif des Vosges. Euh, il étudie à Épinal. Très vite, il est, il est repéré comme étant un, un étudiant brillant. Et à l'époque où l'éducation nationale faisait son travail de détecter les talents, euh, il est aidé il a obtenu des, des bourses et il a pu rentré euh, à normal à l'école normale supérieure étudiant brillant donc et issu d'un milieu social modeste alors mode de... euh, euh, cl moy classe, moyenne classe moyenne sont mmh. il avait comme il ra il raconte dans ses souvenirs euh, euh, ma ma famille alsacienne et ma vallée vosgienne mmh. euh, parce que les les, les les grands parents après 1870 avaient quitté l'Alsace pour s'installer du côté Lorrain, de l'autre côté des des Vosges, de la montagne mm -hmm. et ils avaient une petite entreprise. D'accord. Donc ils ont, ils ont, à plein fin, ils ont continué dans, dans cette petite entreprise. Euh, il a été très tôt orphelin de père, donc c'est sa mère et ses grands-parents qui, qui, qui s'en sont chargés quand il était enfant. Euh, donc à, à l'école primaire, c'est là que l'instituteur détecte le les, les, les très capacités tôt. très tôt de, mmh. de, de, de Ruyère, qui conseille aux parents de l'envoyer au lycée à Épinal. Et à Épinal, pareil, il est, il est re, repéré comme étant un élève brillant. Et il va rentrer euh, il, il passe le concours de Normal Sup il est reçu premier à, à l'époque. Enfin, c'est quand même euh, quelqu'un qui avait des, des, des oui, dispositions intellectuelles. Oui, oui. Et donc là. Il raconte d'ailleurs dans ce dans ce livre de, de souvenirs, <coughs> des mémoires de de normal sup, dont il ne garde pas un grand un, un souvenir très, très très positif. Il, il dit c'était un hôtel de luxe pour moi, c'était un hôtel, ça m'a permis. <coughs> Et alors il critique un peu les professeurs qu'il a eu. Il disait que Brunschvig euh, n'avait pas compris grand chose à à la syllogistique d'Aristote, que euh, les, les, les sociologues répétaient Durkheim alors qu'il y avait Max Weber. Mmh. Euh, les psychologues, Dumas, faisaient un cours intéressant de psychologie sans, sans parler de Freud. Enfin, bon, des, des choses. Mmh. Et il, donc en 1930, il soutient sa thèse de doctorat, esquisse d'une philosophie de la structure. La structure, c'est-à-dire que quand, quand j'ai vécu. Dans les années 65-69, l'époque structuraliste. Oui. Mais pour Royer, ça ne surprenait pas. La structure, dès 1930, lui, il en parlait. Bon. Et dans cette, dans cette thèse, il soutient un mécanisme radical. Euh, tout s'explique euh, par des liaisons dans l'espace-temps. Euh, livre qu'il va oublier, c'est-à-dire que très vite, il va s'apercevoir des. Des limites de ce qu'il a tenu. Et il va évoluer vers. Euh, en 1937, déjà, donc sept ans après, quand il écrit La conscience et le corps, il montre l'importance de la conscience, euh, de, de, de ce qu'est la conscience, mmh. du sens. Euh, puis après, euh, éléments de psychobiologie. Enfin, il écrit beaucoup d'articles avant-guerre. Avant en 1939, il est officier, il est fait prisonnier. Il se retrouve dans un off-lag. Euh, avec euh, je crois que c'était plus ou moins 4000 euh, dont des universitaires en majorité de, près de à la frontière de l'allemagne et de l'Autriche euh, de 39 à 45 euh, et il euh, là il va participer ils vont ils vont monter à, dans cette euh, dans ce camp ils vont monter une université pour pour euh, passer le temps et puis en même temps ne pas trop perdre sur le plan intellectuel mmh. Euh, mmh. alors il faut dire qu'il y avait Jean Laurel mathématicien il y avait Étienne Wolff l'embryologiste euh, Ruyard va avoir de nombreuses discussions euh, avec Étienne Wolff et puis avec un autre, le, Lucien Moïse, qui était un biologiste. Donc il a, il a quand même des. Ça c'est des... important aussi parce que dans l'évolution de sa pensée, les sciences auront une, une importance considérable. C'est finalement assez rare un philosophe qui ait une connaissance aussi approfondie d'un certain nombre de sciences. C'est science. dures. Hein. Oui, oui, ah oui. Oui, pour lui. Euh, la philosophie est forcément unie à la science. Il dit que. Alors, d'ailleurs, lui, il dit, il dit en, en 63, dans un article où il à son parcours, il dit qu'il s'inscrit dans la, dans la philosophie classique où euh, le philosophe ne peut pas ignorer les sciences. Et alors, il dit Moi, je m'inscris dans Aristote, Descartes, mathématicien, oui. Leibniz, tous ces gens-là. après tout aussi. Aux, aussi, aux aussi hein, mathématicien. Euh, oui, hum, oui. Hum. Donc, il est, il est dans ce. Dans, avec, dans cette vision, et il disait aux étudiants, euh, vous, on ne peut pas faire de philosophie en ignorant les sciences. Euh, parce que euh, si la philosophie recherche la vérité, ou la sagesse, on va dire, mm -hmm. euh, la science, elle, recherche la vérité. Donc, il euh, faut, faut, faut étudier les, la manière dont euh, la science parvient à obtenir ses vérités. Et donc, euh, il, a, il a vraiment évolué sur ce plan-là. Je vais parler rapidement de la thèse complémentaire, Vous qui s'appelle, en 1930 aussi, qui s'appelle L'Humanité de l'Avenir selon Cournot, qui est un petit livre, mais qui, pour moi, est, contient les, les germes de la critique sociale de Ruière. Mm -hmm. Alors, Cournot, c'est lui aussi un philosophe. Complètement oublié. oublié. Hein. Alors, mathématicien, euh, historien, philosophe, économiste. Euh, Ruyère avait, avait l'habitude de nous dire dans ses cours que Cournot était la vérité du 19e siècle. Euh, et c'est vrai que quand on lit Cournot, on est impressionné par l'étendue, les vues de, de Cournot. De... Et alors, ce, qui est, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'un un jeune normalien, un hein, euh, jeune philosophe, parle de l'humanité de l'avenir. Et il commence son livre en disant Cournot ne parle pas de l'humanité de l'avenir, mais on peut. En lisant Cournot, on peut voir comment il prévoit l'humanité. Et alors, selon lui, il, il analyse cette situation. Il dit que les sociétés sont entre deux, deux pôles. Il y a le pôle organique, c'est-à-dire des les, les sociétés qui vivent euh, d'une manière un peu euh, comment dit, organique, c'est-à-dire des relations euh, des passions des instincts, mmh. des d où, d où la guerre d'où des choses comme ça et on va aller selon Cournot vers une société rationnelle qui sera forcément plus ennuyeuse et Cournot parle et initie une certaine fin de l'histoire il y aura plus il y aura plus d'histoire les, les les nouvelles, ce seront les chroniques. On a changé de, de président, c'est un administrateur. Oui, c'est l'administration. C'est une des administration, hein, l'administration mmh. des choses, exactement. Mmh. Tout à fait. Un peu comme dans. Alors c'est du Saint-Simon, mais en mmh. plus mmh. en plus maîtrisé, j'allais dire, en plus, avec une vision plus globale. Et Ruyer dit. Alors il montre bien. Il dit que Cournot a bien senti que euh, l'homme de la société rationnelle. Euh, ne sera pas, sera pas un, un héros, précisément. Ça sera pas On n'a on a plus besoin de héros. On considère ça, c'est pour les sociétés organiques. Il faut mmh. un héros, mmh. un chef de, de bande. Quoi. Oui, la société rationnelle n'a besoin, à la limite, que de, de, que de bureaucrates. De bureaucrates, de calculs. Mmh. Tout, tout ce calcul, tout ce. Euh, oui, c'est ça, le bureaucrate qui vont, ils vont ouais. comptable. Ouais, oui, c'est ça. Pas comptabiliser. Ça, ça. Alors, il dit mmh. ça sera plutôt ennuyeux. Mmh. Mais, selon Cournot, on va par là. On y va. Et alors, euh, Ruière prend l'exemple, il dit à l'époque, on est dans les années 30, euh, bah il dit les États-Unis, c'est un peu une préfiguration, les États-Unis des années 30, enfin même malgré la crise de 1929, c'est un peu une préfiguration des vues de Cournot. Donc il semblerait qu'on aille dans ce sens-là. En 1958, euh, Ruière va écrire un livre qui s'appelle Les limites du progrès humain. Où il dit Je prendrai sans vergogne le contre-pied de tout ce que j'ai dit dans, dans la thèse. Je, je reviens sur ce que, que j'ai dit. Cournot s'est trompé parce qu'il restera toujours un, un fond d'instinct, de, de passion. Les sociétés resteront organiques. Il, 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 il y a une tendance vers la rationalité à installer des, des sociétés organisées, rationnellement. Mais, mais l'homme étant ce qu'il est. La nature humaine ou un ensemble de. ou les sociétés, les évolutions des sociétés, feront que on n'aura jamais une société tout à fait euh, rationalisée. Alors. <coughs> On pourrait dire aujourd'hui, vu, euh, vu, vu ce que nous connaissons actuellement, bah, pourtant, on, a on, on dirait qu'on va vers une société à la meilleure des mondes, ou 1984, où tout mmh. est organisé, planifié. Au euh, et, le... et, et, et au besoin, l'homme génétiquement modifié. Pas ah, pas bah, pas en plus, plus oui. Que, effectivement, Oui, oui, euh, oui on, on essaye de... Voilà, voilà euh, on, euh, on peut pousser la, oui. la rationalisation jusqu'à oui, une oui, forme jusque... de dénaturation totale. Totale, oui. Alors ça, c'est peut-être effectivement un danger que... Bon, que Ruyère a vu, mais sans, sans trop. À l'époque, c'était pas encore aussi. Bien sûr. Mais il a quand même écrit ce livre euh, en 1950, L'Utopie et les Utopies, qui fait partie pour moi de la, de la critique sociale. Tout à fait. Et, et parallèlement à cela, il a donc. Euh, après la guerre en 1949, il publie Éléments de psychobiologie, où il montre l'importance de. Euh, précisément de, de la conscience, et que comment, comment saisir la conscience dans. La vie, euh, dans, euh, il, il n'y a pas de, de vie sans conscience. Et il dit ça s'applique aussi bien aux, aux végétaux, aux animaux et, aux, et aux, à l'espèce humaine. Ça aussi, c'est un point très intéressant parce qu'il peut, <coughs> qui peut nous nous, nous amener, euh, même si ce n'est pas le cœur de votre ouvrage. On a commencé à, à esquisser une oui. entrée dans votre ouvrage à, mmh. en particulier à travers cette critique des utopiques que vous avez mentionné. Mais cette question du psychisme euh, est importante dans la gnose de Princeton et, oui. et dans ce qu'on appelait le pense psychisme. Mm -hmm. est-ce que vous pourriez simplement nous en dire un mot parce que quand on parle de rire comme je vous le disais en introduction on pense surtout à la gnose de princeton euh, bon, mm -hmm. avec même euh, qui est révélatrice, la manière dont Ruyère a procédé, est révélatrice de son propre tempérament, c'est-à-dire de, de, de ce versant aussi humoristique, de ce côté normalien, cet ah oui. oui. homme du canular, c'est enfin, important aussi oui. dans la personnalité de, de, oui. de, de Ruyère. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de ce panpsychisme ou de, de cette nutrition psychique que nous évoquions euh, en quarantaine, oui. euh, qui sont des éléments importants de la pensée de Ruyère, ah oui. avant oui, d'en oui. venir à, oui. à l'aspect proprement social Oui. Alors, le, le panpsychisme, Ruya était assez prudent, il disait qu'il était semi panpsychiste hein, mais en gros euh, c'est l'idée que euh, premièrement euh, le matérialisme est une impasse, c'est à dire que on, on ne peut pas expliquer euh, uniquement l'univers par des combinaisons d'atomes, par la matière parce que même les combinaisons d'atomes c'est déjà très compliqué et donc la matière n'est pas la clé n'est pas la solution et n'est pas le ce qui permet d'expliquer comment ça fonctionne pour expliquer le, le fonctionnement il faut faire appel à alors l'esprit enfin le, le une sorte de conscience dont nous participons à laquelle nous participons euh, nous en tant qu'êtres humains, mais, mais je vous dis un, un animal aussi lui oui. il disait, ce, qui, ce qui choquait déjà même autour de moi quand je disais mais les animaux ont une conscience ah bon mais tout tu tiens ça enfin et c'est l'idée de, de, de conscience pour lui fait partie de l'étoffe de l'univers et on n'est pas du tout du côté des animaux machines de Descartes, de Descartes ah non non bien sûr. Mmh, bien sûr ah oui 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 mmh. il rejette ça en disant bon bah il sait pas il y a de ce côté-là, il y a un, un, un livre qui est passé là aussi encore inaperçu en 1964. Il écrit euh, L'homme, l'animal et la fonction symbolique, où il développe ses thèses euh, de, de, euh, sur euh, l'homme, sur la conscience, sur euh, et les animaux, les rapports, le rôle du langage. Le... Donc, il est <coughs> son panpsychisme repose. Et alors, donc, il y a une, pour lui, il y a une source de tout ça, la vie. La vie, c'est de la. C'est de la conscience. Enfin, et la vie ne peut pas se ramener, se réduire à des explications matérialistes. Mm -hmm. D'où sa critique de Jacques Monod. Hein, le hasard mm -hmm. et la nécessité, ça ne suffit pas pour expliquer, mm -hmm. pour, avoir, pour rendre compte de, de ce qu'est la vie. Euh, et Jacques Monod, et puis beaucoup d'autres critiquent, les, en fait, les thèses matérialistes. Bien entendu. Et, et, le, et le scientisme qui va avec. Et le scientisme, oui, oui. Grande ah, connaissance oui. Des, des sciences, mais oui. récusation du scientisme, ah, le, bien oh, sûr. Oui, oui, parce que le scientisme pas, ne fournit pas d'explication, ne permet pas de comprendre, mmh. à la fois, ne permet pas de comprendre l'univers, euh, la vie, <laughs> le phénomène, les phénomènes vitaux. Euh, C'est pour ça qu'il s'inscrit là aussi dans, mmh. dans une perspective, j'allais dire... Euh, bergsonienne enfin il suit, il suit un peu bergson mais euh, comme dit un de ses premiers Fabrice Colonna qui a écrit le premier livre sur Ruyère, qui est sorti il y a quelques quelques années maintenant euh, il dit qu'il était à distance de bergson et je crois que c'est vrai c'est il, il par exemple il, il refuse le vitalisme de de bergson il, euh, Ruyère n'est pas un vitaliste. Oui. Euh, il dit non, non ça tient pas mais en revanche, il écrit en 1954 néo-finalisme. Oui. Donc une, une, une théorie euh, où, où il, il prouve, on ne peut pas même les, les scientifiques, alors certains biologistes trouvent ça euh, un peu audacieux. Euh, il y a des formes de, 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 de finalité. Oui. D'ailleurs, quand vous lisez le, le la, la hasard et la nécessité de Monod, Monod Mono s'en tire, il ne parle plus de finalisme, il dit que le finalisme c'est terminé, mais il parle de téléologie. <laughs> bon, alors, ok. Oui. Il, il passe du latin au grec, en quelque <laughs> sorte, mais il oui. dit la même chose. Exactement. Oui. Bah, la télé, il... Et on ne peut pas, effectivement, le, le développement d'un embryon, il y a forcément... Une, une téléologie, enfin il y a, y, a, y a une finalité. Il retrouve, Ruyère retrouve la, la, la cause finale d'Aristote euh, Oui, s'inscrit oui. dans cette... Mais néo-finalisme, c'est C'est-à-dire On adapte la, les causes finales d'Aristote et puis d'autres à la science de son temps. C'est-à-dire euh, avec les découvertes justement de l'ADN, enfin déjà les, les découvertes de l'embryologie. Et puis il cite plusieurs expériences de, de Spemann, le fait que... Un, un, un morceau de tissu euh, humain, enfin un tissu qui se vous le vous le coupez, vous le séparez, mais il va, il va il va reproduire, c'est-à-dire qu'il va continuer son travail. Euh, Regarde, ça suppose une mémoire. Euh, alors ça, ce sont il y a deux auteurs qu'il a qu'il qui qui lu assidûment et qui qui va lire toute sa vie euh, philosophique c'est cournot d'un oui. côté, mm -hmm. euh, l'économie, je pense que si, si ruyer s'est intéressé à l'économie, c'est par l'intermédiaire de cournot, c'est grâce à cournot, et samuel butler, oui, très important, donc euh, la vie et l'habitude, euh, les, les textes de butler, et, et pour, euh, pour ruyer, butler, c'était important, ça alimentait sa, sa réflexion sur le, et alors là, nous sommes dans le côté, euh, comment vous dire, scientifique, enfin, la réflexion philosophique sur les sciences, de Ruyère, ce qui est un néo-finalisme, et en 68, après les événements de mai 68, Ruyère prend position euh, en disant « bon, il euh, y, y a eu trop de bêtises, il écrit ce petit pamphlet, euh, euh, ce qui est plus qu'un pamphlet d'ailleurs, c'est bien argumenté, bien charpenté, l'éloge de la société de consommation, et ça c'est sa critique sociale ». D'ailleurs, voilà. je dis, mmh. les trois livres qui vont être publiés chez Raymond Aron, enfin, dans la collection de Raymond Aron, oui. constituent le cœur de la critique sociale. Voilà. voilà. Et, et <coughs> Alors, le cœur de votre ouvrage également. Hein, donc on, on... Le, ah oui, oui, moi, je, 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 me, je, me, voilà. mmh. je me consacre mmh. à la critique sociale ouais. parce que ce thème n'a jamais été traité. Mmh. Donc, je fais un travail. Euh, <coughs> J'ai voulu aller, aller en connaître un petit peu plus. Et surtout, comment se fait-il Il y a d'un côté une philosophie... D'approche scientifique, disons, qui qu ce qui s'intéresse à l'univers, à qu'est-ce qu'on fait ici, enfin, des thèmes de la philosophie, mais qui, qui reposent sur des données scientifiques, et le, la critique sociale. Mm -hmm. Et alors, je crois avoir découvert, enfin, mm -hmm. pensé, ouais, ouais. que pour Ruyère, c'est la même chose, parce que l'articulation qui se joue entre les deux, Courant, enfin, entre cette philosophie scientifique et la critique sociale, <coughs> repose sur la théorie des valeurs que Ruyère a, a élaborée dès 48 en 1952 aussi, euh, Le monde des valeurs et puis euh, des, un, un petit livre destiné aux étudiants pour les, les, les informer, pour les, les aider à s'y reconnaître dans les théories de la valeur. <coughs> Donc je dis que c'est ça qui articule l'un à l'autre. Alors justement, pourriez-vous préciser cette théorie de la valeur ou cette théorie, cette théorie des valeurs Des valeurs, Et oui. quelle est la nature de cette articulation et donc de cette cohérence oui. entre les deux, les deux versants de la pensée de... <laughs> enfin, ces deux versants de la pensée de, de Ruyère Oui. Alors, euh, disons d'abord que euh, Ruyère, donc, il expose, il a, il a, dans le petit livre destiné aux étudiants, la théorie de la valeur, il montre les différentes philosophies de la valeur, enfin les différentes... Oui. Théorie ou euh, présentation que l'on peut faire au sujet des valeurs. Mais lui, Ruyère, prend une position dans ce, dans ce livre aussi, en disant les valeurs existent. Donc, ça, c'est une première chose. Il n'a pas, pas un point de vue idéaliste sur la valeur. Les valeurs existent ce n'est pas l'homme qui crée les valeurs, contrairement à ce que je pense Sartre. Euh, les, les valeurs existent en dehors de nous et nous les incarnons. Euh, alors, qu'est-ce qu que nous incarnons ben, le, le vrai, euh, le beau, le bien, euh, et puis toutes les valeurs qui font partie de, qui, des domaines de valeurs <coughs> qui sont, par exemple, bon, dans les domaines de valeurs, vous avez le religieux, mais le religieux, la valeur du religieux, c'est le sacré, euh, le politique, ben, c'est le pouvoir, <coughs> l'économie, c'est... Euh, euh, ben l'économie j'allais dire mm -hmm. au sens on dépense pas plus qu'on ne gagne ouais. des choses des choses assez euh, rudimentaires mais et, qui méritent d'être rappelées qu'il faut, oui. qu faut rappeler euh, ouais. alors il, est, il a une, une conception assez assez élaborée par exemple il dit qu'il y a <coughs> des valeurs donc le, pour lui le vrai par exemple le vrai et le sont des valeurs théoriques eh bien il dit, quand vous Conjuguer des valeurs théoriques et puis des valeurs. Euh, euh, la technique, par exemple, c'est à la fois de la science et de l'économie. Hein, il il, on, on touche les deux, la technique et le résultat de, de ces deux domaines de valeurs. Pardon. Euh, la pédagogie, euh, mm -hmm. c'est pareil, il dit c'est c'est euh, un, un domaine de valeurs qui est entre euh, le théorique et puis euh, ben, ce qui est de. L'idée de, de, de transmission, un autre domaine de, de, de valeurs. Mm -hmm. Et alors, ces valeurs existent. C'est-à-dire, alors, où sont-elles Il prend l'exemple dans, dans le monde des valeurs il, prend les, il assimile un petit peu il fait une, un parallèle entre les couleurs et les valeurs. Nous reconnaissons les couleurs nous ne les créons pas. Et les couleurs ne sont pas, elles, elles sont quelque part, mais elles sont hors de l'espace-temps. Les valeurs sont hors de l'espace-temps, et alors ça, ça découle de sa théorie euh, qu'on a vue antérieurement, c'est-à-dire du, du psychisme, mais oui. de, de la, oui, de, ben, de la vie, de... c'est-à-dire les. Vous avez un monde euh, transspatial en dehors de l'espace et dans le temps, mais en dehors de l'espace, euh, qui qui inclut donc des valeurs, des significations et des symboles, des thèmes, des symboles. et alors nous, nous incarnons ces valeurs, nous, nous, nous en tant qu'espèce humaine, on cherche à les réaliser. et les valeurs ne nous poussent pas, nous ne sommes pas poussés par les valeurs, mais nous sommes plutôt appelés par les valeurs. on veut, on veut les réaliser, c'est-à-dire qu'on a une idée. alors il prend, par exemple, l'exemple de l'artiste. Qui qui, veut, qui est en train de peindre ou le musicien qui va, euh, il est il est comme appelé à, euh, il, est, il est attiré oui c'est la vocation c'est alors une vocation littéralement et avec mmh. avec l'idée avec le souci du beau avec quelque mmh. chose qu'est-ce il faut que ce que je fasse soit alors bien sûr il y a tout l'aspect euh, culturel je veux dire la, la, la musique de Bach elle ne vient pas de de nulle part, il y a eu tout un travail, mais enfin il, le contrepoint, euh, la musique de Mozart vient précisément de Bach, euh, Schubert, euh, Beethoven, ça, il y a eu des, des continuités, mais le travail que va faire le, le, le compositeur, c'est de chercher toujours à essayer de, de réaliser selon ses, ses, ses thèmes euh, une idée du beau mm -hmm. qu'on a perdu aujourd'hui oui, c'est une évidence. Depuis oui, longtemps. Comme, comme toute la... le caractère disons intangible des valeurs. oui. Hum. alors, ça c'est... à mon avis, c'est ce qui fait là... parce que précisément, ouais. comme les valeurs s'incarnent... Euh, nous les incarnons? On les retrouve dans la société. Voilà. Alors justement, donc cette critique sociale à, à laquelle se livre euh, Raymond Rouillère, comment peut-on la, peut la décrire On a vu jusqu'à présent qu'il euh, s'inscrivait, ne serait-ce que pour des raisons biographiques, oui. euh, dans un moment de la vie intellectuelle française qui a oui. été évidemment très particulièrement agité, mm -hmm. surtout d'un point de vue idéologique d'ailleurs. Oui. Oui. On a parlé du structuralisme... Mmh. On a, on pourrait parler du marxisme, du freudisme. Oui. Mmh. Vous avez déjà euh, évoqué mai 68. Hein, oui. Vous avez fait oui. une, une allusion. Oui. Euh, comment, comment, comment Raymond. Alors, alors que, et c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, hein, la critique sociale est en général, de manière spontanée, associée à la gauche. La disons, gauche. Hein, oui. Euh, oui. Voilà, critique de la domination, de l'exploitation. Cri critique de l'exploitation, critique de l'aliénation, etc. Mmh. Mmh. Or, euh, d'un point de vue euh, très différent, mmh. Ruyère lui-même va s'exercer à une. Critique sociale. Oui. Alors comment peut-on la, peut la décrire sans entrer peut-être dans le détail euh, d'ores et déjà, euh, mais quels sont ses, ses fondements, ses présupposés euh, et éventuellement sa méthode Alors, euh, il va effectivement, il va, il va d'ailleurs même évoluer dans cette critique sociale. Hein. Je, je dis, il y a, il y a bien le, le, le cœur de la critique sociale donc, et, qui est constitué par ces trois livres, L'éloge mmh. de la société de consommation, dont le titre n'est pas de lui, hein, c'est Raymond, Raymond qui a, mmh. qui a voulu penser que le titre était plus vendeur, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Ensuite, il y a les nuisances idéologiques. Donc, on voit bien que l'idéologie, est dans la, dans la critique sociale, et c'est une critique sociale. Euh, C'est-à-dire que l'idéologie, pour lui, c'est négatif. C'est mm -hmm. ça, ça veut apparaître comme euh, comme scientifique, comme euh, mais euh, pour lui, l'idéologie, c'est un discours faux. Euh, c'est un, une euh, une, une, quelque, enfin, ça nous empêche de penser, mm -hmm. en fait, mm -hmm. pour rien On ne pense pas, il faut sortir d'idéologie pour penser. Quoi. Mm -hmm. et, et puis, le, son troisième livre euh, sur euh, les nourritures psychiques. Euh, et là, dans les nourritures psychiques, c'est là qu'il parle. Et ça, pour moi, c'est dans le cœur de la critique sociale, parce que précisément, pour répondre à votre question, c'est le, les nourritures psychiques. Le, L'homme a besoin, l'esprit humain, nous avons besoin, nous, en tant que espèce humaine, de nous avons la nourriture alimentaire, il faut entretenir le corps. Le... Bon. Il y a des nourritures spirituelles qui sont dans en lisant les sciences, les, enfin les des traités, des des, des les mathématiques, ça c'est de la pour lui et puis il a des textes religieux, des textes, euh, voire même de la littérature. Il y, a des, il y a des, la littérature n'est pas uniquement euh, bien sûr. divertissement, ça oui, peut être aussi euh, une, une préparation spirituelle. Et donc ça c'est la oui. spirituelle. Oui. Mais entre les deux, mm -hmm. il existe un intermédiaire que Ruyer appelle Nourriture psychique, qu'il va mettre 20 ans, c'est un, un, une idée, un concept qui va mettre 20 ans à élaborer, et qui, selon lui, euh, fait que nous sommes humains, c'est-à-dire euh, les relations sociales, euh, les, le fait d'être dans la société, de se promener dans la rue et d'observer, de voir tout, tout le chatoiement, tout ce qui se passe, les boutiques s'installer. Ruyère aimait beaucoup parcourir les rues de Nancy. Il visitait d'abord les librairies, et puis ensuite, il s'installait à la terrasse d'un café et il regardait. Et il dit Ça, c'est un spectacle qui, qui, me, qui me nourrit psychiquement, pas spirituellement. Ce ne sont sûr. pas des choses. Mais ça nourrit euh, psychiquement. Et il dit C'est important aussi, ça, la nourriture psychique. Et précisément, toutes les. Par exemple, la politesse est un cas, un exemple de nourriture psychique le fait de s'envoyer les voeux chacun. année, le fait de ça veut dire c'est ce que Ruyer appelait des informations de présence. Ça veut dire je suis là et tu es là et je sais que tu es là, je t'ai reconnu. Je... Donc ça c'est de la nourriture psychique. Ça va pas plus loin. Mais précisément toutes les idéologies et la déconstruction par exemple a voulu on soupçonnait tout ça, c'est-à-dire on disait tout ça derrière tout ça il y a l'hypocrisie sociale. Ruyer dit non. Non, c'est. Parce que si vous voyez l'hypocrisie sociale là-dedans, vous êtes en train de démailler les, tis... le, le, les rapports sociaux, oui. les relations sociales. C'est le détissage, hein, hein détissage. De, de la royale qu'est la politique, selon Platon, qui exactement. est un tissage. Exactement, exactement. Et, et les voûtes sociales peuvent s'effondrer. Tout ce qui fait tenir la société, si vous commencez à, à détruire, ça, va, ça peut s'effondrer. Donc, Ruyère dit la, la nutrition psychique, c'est important, il ne faut pas négliger aussi. Cet aspect-là. Nous ne sommes pas euh, ni anges ni bêtes. Bien sûr. Nous sommes aussi euh, des, des êtres humains avec. Euh ah. On, on, on peut dire dans ce sens-là que la pensée de ruyère s'inscrit dans la vision anthropologique très classique de la tripartition, c'est-à-dire l'homme comme corps, âme et, et esprit. esprit. Il oui, s'inscrit oui. euh, ah, là-dedans. Oui. Il n'y a pas de dualisme non. entre le corps et l'âme, ou entre le corps et l'esprit. Il y a une série de médiations, enfin hein l'âme en tout cas, à oui, oui. fonction hein médiatrice, mm -hmm. telle qu'il l'entend lui en l'occurrence, c'est-à-dire sur, ce, sur ce versant psychique. Oui. Et de ce point de vue-là, il est très traditionnel ah, oui, aussi, disons. Oui, oui d'ailleurs, ce que vous dites, il n'est pas du tout de baliste, il est plutôt moniste, enfin on dirait, mais c'est pareil, il faut prendre ça avec et quelques oui. pincettes. Oui. Parce que pour lui, euh, il n'y a pas de corps sans conscience. La conscience et le corps, ça marche forcément ensemble. Alors, euh, après, on peut. On peut... On peut s'amuser avec les, les biologistes ou les médecins. disent que la conscience, quand j'ouvre oui. le, mmh. le cerveau, je mmh. ne la vois pas. Mmh. Bah oui, on la voit pas, mais parce qu'elle n'est pas dans, elle n'est pas dans l'espace ni dans le temps. Elle est, elle est pas là. Elle est transspatiale. Elle est en dehors de. Et, et la conscience, c'est ce qui nous permet de euh, d'abord de, bah, de prendre conscience, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on est... et de construire des, des rapports humains, de construire des des, des, des œuvres d'art, des théorèmes euh, de mathématiques ou une théorie euh, physique, euh, la relativité d'Einstein c'est sort de sa conscience, elle est sorti comme ça, bon, il a... Et donc, euh, pour lui, tout ça, c'est est, est uni, on est, on, est, on est ensemble. Donc c'est à la fois une vision un peu classique, oui. et puis qui semble aller à rebours des des idées actuelles, enfin, de, oui. où on, on a. Bah, le, le dualisme cartésien a fait quand même aussi un petit peu un petit peu de tort à, bien sûr. à cette présentation. Bien sûr. Et alors cette critique sociale donc euh, euh, qui euh, qui s'exerce contre les idéologies, mm -hmm. qui s'exerce également contre les utopies. Mm -hmm. euh, sur quoi, euh, comment euh, Ruyer la met la met en forme C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va pointer de manière très concrète dans l'état de la société qu'il a sous les yeux, euh, aussi bien donc euh, à travers la reconstruction qu'en font les idéologues euh, de la déconstruction, si j'ose dire. Mmh, mmh. Donc, ce délitement, cette mmh, désocialisation, mmh. ce détissage, mmh. euh, quelles en sont les, les causes et quels et quel, euh, quel remèdes, éventuellement, Ruyère euh, propose-t-il Je veux dire, par là, est-ce que l'on peut considérer que Ruyère s'oppose à ce délitement, à ce détissage, d'un point de vue traditionnaliste, est-ce que c'est une... est -ce est recevable ou est-ce que ce n'est pas recevable? je me permets de, de poser la question parce que il y a eu un moment libéral dans la pensée de, de, de ruyère. Oui, oui, donc il y a eu en ce sens là un moment que l'on pourrait dire moderne. oui, donc co comment est euh, comment ce... quelle, quelle est l'évolution de, de ruyère de ce point de vue-là? alors, le, le, le moment libéral de ruyère, il faut le, le situer. Dans la période euh, de la guerre froide, enfin, le, il y a, vous avez un, le monde occidental opposé au monde soviétique, à la, au totalitarisme euh, communiste, euh, soviétique, chinois, bon, cubain, enfin, bref, toutes les sociétés totalitaires que nous avons connues. Donc, face à cela, Ruyer revendique la liberté. Donc, il est aronien. Ce oui. -là. Il y a, il y a une, une connivence avec Raymond Aron, ils sont, ils sont ensemble pour dénoncer. Euh, l'absence de liberté dans des sociétés euh, totalitaires. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a, a aucune ambiguïté, il est comme ça. Sauf que Ruyère va s'apercevoir assez vite que euh, le modèle occidental qui axe tout sur l'économie, euh, donc le libéralisme devient une idéologie là aussi, euh, Ruyère va en percevoir très vite les limites. Euh, alors, la première limite du, du, du libéralisme, c'est que euh, la société n'est pas qu'économie. La, la société ne se ramène pas à l'économique, elle ne se ramène pas non plus aux politiques, elle ne se réduit pas ni aux religieux. Alors, Dorian disait bah oui, il y a eu des, des théocraties en Égypte, mais la société c'est pas uniquement du religieux. C'est-à-dire que, lui, son explication <coughs> le sociologique, c'est que les sociétés sont quand même un peu plus compliquées que ce qu'on veut... Euh, la manière dont on veut les présenter. Oui, ce ne sont pas des sociétés unidimensionnelles. Exactement. Mmh. Ah oui, oui, oui. Et, et on ne peut pas réduire les sociétés à une dimension, même si c'est euh, économique, politique. Ou... Donc, il faut tenir compte de cette euh, richesse, cette variété de, des sociétés qui représentent euh, un peu l'humanité avec ses dangers et puis... Euh, c'est beauté, enfin c'est l'aspect hein, agré, enfin, agréable, c'est plus que ça. Quoi. Le fait de vivre ensemble, de vivre en, en société, mais ça n'a pas que des points, ça n'a pas, pas que du positif. Donc ça c'est le, le, le premier point. Ce que ruière va reprocher au euh, libéralisme à la, dans les années 77, dans Le sceptique résolu, puis déjà dans d'autres, Les 100 prochains siècles, qui est de la suite de l'agnose de Princeton, oui. il va reprocher le, le court-termisme, c'est-à-dire l'immédiateté, la recherche de l'immédiateté, euh, en oubliant une perspective d'avenir. C'est là que Ruyère, on retrouve, quand il parle de l'humanité de l'avenir selon Cournot en 1930, euh, presque 40 ans plus tard, un peu plus de 40 ans plus tard, il retrouve ces, ces, cette perspective cournotienne, euh, qui est de, de voir à long terme. Les 100 prochains siècles. Les 100 là. prochains siècles, oui. C'est de dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que les sociétés peuvent disparaître. Ça, nous le savons. Les civilisations, nous sommes mortelles. Enfin, nous savons que. Euh, et qu'est-ce qu'on fait pour empêcher qu'elles disparaissent? Alors, lui, il, il défend, enfin, il se définit comme un conservateur intelligent. Alors j'ai jamais su, j'ai jamais pu lui poser la question, malheureusement, si c'était un pléonasme ou un oxymore enfin, <laughs> c'était <laughs> euh, mais conservateur intelligent, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire on conserve ce qui vaut la peine d'être conservé. Il y a des choses, il y a des traditions qui ne méritent pas forcément d'être conservées, celles-là on peut les abandonner, ça ne, ça n'enlèvera ne, rien au fonctionnement social. En revanche, il y a des des traditions des. Même des tabous, il dit. Euh, Des choses qui nous aident à vivre et à continuer à vivre, à poursuivre, à transmettre. Et donc, ça, c'est important. Il faut les conserver. Ce que euh, nos, nos sociétés modernes, post -modernes, selon la manière dont on veut les, les dénommer, euh, ont tendance à oublier. C'est-à-dire que du passé, faisons table rase, mmh. ça, ça n'existait pas avant nous, enfin, hein, le. Le monde d'avant, comme certes. Exactement, exactement, le monde d'avant. C'est une plaisanterie. Enfin, oui, je veux dire, sûr. ça tient pas, Ça mérite deux, deux claques, quoi. C'est tout, bien sûr. Fond. Évidemment. Deux <coughs> claques à un gamin. En fait. Oui, oui, exactement. <laughs> oui, oui. Va apprendre tes leçons. Et puis... Voilà. <laughs> <coughs> Donc, euh, euh, il se définit comme ça conservateur intelligent. Il euh, y, y a des choses qui, se, qui doivent être euh, respectées. Euh, qui nous aide à, précisément, à, à tenir les voûtes sociales, à, à faire en sorte que le tissu social ne se démaille pas. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est important. Il faut éviter. Alors, il y a cette critique, déjà, dans les nuisances idéologiques, hein, où il prend l'exemple, par exemple, des... des euh, il ne parle pas du mariage pour tous, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore question, mais il parle le, du mariage homosexuel et en disant mais, mais attendez c'est trop timide le mariage homosexuel. là, là c'est le côté normalien qui et, et, et polémique aussi hein. polémique euh, oui. ouais, non mais le mariage homosexuel c'est trop timide pourquoi pas le mariage à 3 ou à 4 hein et puis il y a quelqu'un qui va venir et dire non à 6 c'est mieux il hein y aura toujours des surenchères euh, dans mmh. ce sens là donc on n'arrête jamais euh, dans le domaine de la bêtise il euh, euh, y a une infinité de possibilités oui, sûr. Euh, bon. donc Là, il faut arrêter. Il hein faut redevenir sérieux. Si on veut que la société se maintienne, il faut devenir sérieux. Et donc, ce que vous disiez de l'anthropologie de Ruyère, elle repose, il le, il le dit dans les 100 prochains siècles, elle repose sur deux, deux principes, deux axiomes, on dirait. Euh, le premier, c'est l'homme n'est pas une espèce d'humanité. Mais l'homme, homme-femme, <laughs> oui. n'est pas une espèce domesticable. Ce qui semble aller aussi à contre-courant parce que quand vous voyez, je, je citais Orwell et puis Aldous Huxley où là, on a l'impression qu'on peut domestiquer mmh. et certains y pensent sérieusement. Enfin, du côté de la Californie, il euh, euh, y, y a des délires assez, assez oui. forts là, qui vont là-dedans. Bien entendu. Euh, hein, nous mettre des puces pour... Oui. Euh, bon. Donc, on n'hésite pas à, à franchir le, le pas. Mais lui dit que il n'y ça, ça croit pas. Il n'y croit pas. Mmh. Il, vraiment, il doute. Il dit l'homme n'est pas une espèce domesticable. Et alors, la raison, l'explication qu'il donne, c'est que autant l'homme a pu domestiquer des espèces animales, mais parce que l'homme était au-dessus. Et pour domestiquer l'humanité, il faudrait une espèce qui soit surhumaine. Enfin, pas dans le sens Nietzschéen, mais bien sûr, au-dessus au de l'humanité qui nous... Alors ça, ça fait partie des thèmes de science-fiction. Ruyère allait chercher euh, sa nourriture un peu partout. Il disait beaucoup la science-fiction, vous parliez, il disait les utopies. Euh, il écrit sur les utopies, ça l'intéressait. Euh, et dans la science-fiction, il bah, y a toutes ces, ces idées de science-fiction, les Martiens qui débarquent et puis qui vont coloniser oui, euh, les, les la planète, hein, les extraterrestres, cette espèce alors supérieure ça, éventuellement. Alors voilà, euh... ça, ça faisait partie. Mmh. On, on se donne un frisson. On dit, les extraterrestres vont débarquer, on va se faire peur, les soucoupes volantes, enfin toutes ces choses-là. Et alors, oui bon, premier point, l'homme n'est pas une espèce domesticable. Oui. Deuxième point, euh, l'avenir est au peuple long vivant. Alors, euh, certains ont ironisé là-dessus même. Euh, euh, par exemple, Jean Brun avait dit, mais Jean Brun, le, le, le philosophe de Dijon, qui était venu lors du premier colloque qui avait eu un hommage à, à Ruyère, avait dit, bon, bah, c'est, ce sont des platitudes. Quoi. Bien sûr que pour durer, il faut, faut vivre longtemps. Hein. On aurait pu lui sortir la phrase de Pierre Dac, l'avenir de longtemps, surtout vers la fin. Bon, mais ce n'est pas ce que veut dire Ruyère. Ce que veut dire Ruyère, c'est que... La civilisation, c'est-à-dire une, une civilisation de plus en plus sophistiquée, une civilisation qui se, qui se développe et qui oublie ses racines, son passé, ses traditions, euh, peut devenir un facteur d'abord de, euh, de déclin, de décadence, euh, peut, peut nous faire disparaître. Et c'est précisément parce que nous avons oublié le temps long. Alors que des peuples moins civilisés, plus frustre, on dira, plus, plus barbare, hein, avec tous les guillemets qu'il oui, faut oui, mettre. Mm -hmm. euh, eux, sont des peuples longs vivants parce qu'ils ne se posent pas toutes les questions, euh, ils ne soupçonnent pas tout, euh, tout, tout doit être soupçonné. Hein. On, a, on a été dans l'ère du soupçon dans les années bien 60, sûr. 80, c'était euh, la déconstruction, c'est ça, on, on soupçonne tout. Eh bien, quand on fait cela, on va contre nous-mêmes, on, on agit contre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on oublie... La durée, le temps, le temps long. Est-ce euh, est que c'est par ce biais-là que l'on peut rattacher euh, Ruyer à, à sa lecture de Vico hein, C'est ce que vous, ah oui vous évoquez. Oui. Vico, Vico arrive à cette idée que les, les, dans le cycle des cours et des, et, et, et des recours et des retours mm -hmm. des civilisations, oui. on en arrive toujours dans une, un paroxysme que l'on pourrait associer à, à l'hyper rationalité ou oui. à l'hyper rationalisme, mm -hmm. à ce que Vico appelle la barbarie de la réflexion. Mm -hmm. euh, ça correspond à... C'est assez proche, oui. C'est assez proche, de ce que oui, pense oui, oui oui Oui, oui c'était une, une réflexion qui est dévoyée, qui, qui oublie euh, les fondamentaux. Euh, je, je crois que c'est ça qui préoccupait mm -hmm. plus Ruyère. C'est vrai que Ruyère, je, je vous disais, il a lu, il a une capacité, il a lu, Vico, il aimait beaucoup Jacob Burckhardt aussi. Oui. Hein, le, euh, donc des gens qui, pour lui, il y avait, il y avait une substance, il y avait, il y avait de quoi se nourrir vrai. euh, intellectuellement. Bien sûr. Euh, vraiment, c'était. Et donc, moi, je crois que c'est ça ce qu'il va, ce qui va nous, nous transmettre. Et son dernier livre de critique sociale, c'est Le sceptique résolu. Oui. C'est-à-dire ne pas se laisser intimider par tout ce genre de discours. Euh, ce qu'il appelle les discours intimidants hein, d'ailleurs et parfois terrorisants et terror terro oui c'est du terrorisme c'est du terrorisme hein. oui, 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 oui 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 et donc euh, il dit bah faut pas se laisser démonter faut pas se laisser faire euh, il faut résister refuser euh, toutes les bêtises qu'on essaye de nous imposer la théorie du genre euh, l'écriture inclusive de ceci si en ce moment on, on est abreuvé de... de de délire de délire de délire et, et Ruyer disait, ben bah non, il faut rester ferme, il faut, faut dire non, il faut, faut avoir le, le courage de dire non, ça suffit. Mmh. Hein, on arrête de jouer, la récréation est finie, et puis... Est-ce qu'il pensait, parmi ces, ces, ces peuples à la, de, de longue mémoire, est-ce qu'il est qu envisageait, euh, est-ce que sa réflexion était orientée, j'allais presque dire, géopolitiquement Est-ce qu'il est qu nourrissait de l'espoir pour l'Europe, par exemple, ou pour la France en particulier euh, Ou bien, est-ce que ces peuples longs, enfin, est-ce qu'on peut les nommer, ces peuples à la, à, à, de, de, de longue mémoire, euh, entre guillemets, vous l'avez dit, euh, barbares ou primitifs, mmh, mmh. mais avec beaucoup de guillemets, enfin, on oui, comprend parce bien que, ce que cela signifie. Ouais. Hein. Y a-t-il... Le sceptique résolu a-t-il une espérance politique ou pas Alors, de la politique, Rui n'attendait pas grand-chose. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il voyait plus de dynamisme et de... de, de perspectives de, à long terme euh, pour les peuples asiatiques. Euh, même... Euh, d'un certain côté, l'Afrique, en disant que bon, les, les Africains ont, ont montré une capacité à, à durer, oui. euh, même si, on va dire justement, on n'est pas dans des civilisations hyper sophistiquées. Mm -hmm. euh, donc, ils pensaient dans, dans, dans ces termes-là. Alors, euh, à l'époque, le, le, le statut de l'Europe, enfin, la, la, le fait de, la disparition de l'Europe ne se posait pas encore. Tout à fait, d'autant que la Deuxième Guerre mondiale, la Première, la Deuxième, enfin, on, a, on a appelé ça, ou les guerres du XXe siècle, une sorte de guerre civile européenne. européenne qui, a un, hein, mm -hmm. qui Qui donc euh, euh, incluait, incluait les États-Unis, la Russie. Bon. Mais il y a des peuples qui sont restés en dehors et qui se sont développés, qui continuent à se développer. Euh, lui, pour lui, l'exemple, euh, les, les pays du Sud-Est asiatique, pour lui, ça sera un exemple de de peuples longs vivants qui... Alors peut-être qu'ils vont tomber aussi dans les... dans les travers de la civilisation mmh. hyper-sophistiquée. Euh... Mais quand on regarde... bon le Japon, qui a été un signe de postmodernité, ils étaient les premiers à avoir des robots, des choses comme ça. Euh, Peut-être que le Japon a plus de ressources euh, énergiques. Oui, et puis le, le Japon est euh, véritablement hanté sur son passé, son hein, passé et, la tradition, et sur la tradition, la tradition, qui, qui concilie parfaitement. C'est une espèce d'archéofuturisme, exactement, comme dirait oui. hein, Le Japon, là, oui. la, la, la oui. civilisation japonaise. Oui. Ouais. Et donc, euh, pour hier, c'était. Mais euh, je me souviens dans ses cours, il, il le dit, il écrit dans. Dans les 100 prochains siècles, il nous disait, euh, calmez-vous, tranquillisez-vous, il n'y a, a aucune raison pour que le 21e, 22e, 23e siècle soit moins sanglant que le 20e. Mmh. Et on, on est en train de... Pour lui, il ne faisait pas de doute que l'histoire était tragique, oui. comme pour Raymond Aron d'ailleurs. Oui. Et... Je crois que beaucoup de nos dirigeants et l'Union Européenne en tête a oublié que l'histoire était tragique. Bien sûr, et qu'il y hein? avait histoire précisément, on n'est pas sorti de l'histoire. On n'est hein. jamais sorti de l'histoire, on n'en sortira pas. Euh, ça c'est ce qui va un peu contre la thèse de Cournot, c'est-à-dire que ce, ce n'est pas le commerce qui va organiser le monde. Oui, le la mondialisation <laughs> heureuse c'est une, une vue de l'esprit. Bien sûr. Et donc euh, faut pas s'attendre à ce que demain euh, on va tous s'embrasser sur la bouche, on va tous euh, on rase gratis, tout va être gratuit en fait. Être... Ça c'est ça fait partie des 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 vœux pieux. Enfin on essaie, on voudrait essayer de s'accrocher à ça mais ça n'a aucun aucun sens. Est-ce qu'il y a, est-ce que le néo-finalisme de, 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 de Ruyer, dont, dont vous avez parlé, mmh. j'y songe à propos de ses réflexions sur l'histoire, implique d'une manière ou d'une autre, dans sa vision, une forme de dé déterminisme Ou non Pas du tout. C'est-à-dire, est-ce que la... L'histoire bon, est tragique, on est bien d'accord, oui. euh, elle est de manière... Si elle est histoire, s'il si y a histoire, l'histoire est tragique, oui. mais euh, y, y a-t-il possibilité pour... Euh, une liberté ou des libertés d'un peuple, par exemple, ou de ressurgir euh, contre précisément cette euh, uniformisation, cette hyper-rationalisation. Euh, il n'y a rien d'inéluctable. Oui. Alors, euh, moi, je, je mettrai, je, je, je nuancerai, enfin, je dirais. Oui. Le, parce que le néo ça, c'est uniquement sur le plan. Euh, biologique, biologique hein. bon, donc ça ne s'applique pas, il n'est pas sociétés. transposable tel quel aux sociétés. En revanche, ça, euh, Rivière était tout à fait persuadé que effectivement, il y a des exemples dans, dans l'histoire de l'humanité de, de, de peuples qui, qui peuvent renaître, qui peuvent reprendre de l'ascendant, euh, et, et non pas. Alors il y, a, il, y a, il y a plusieurs, il y a de belles réflexions dans, dans c'est dans le sceptique résolu ou même dans les 100 prochains siècles où il, il se pose la question de euh, la perte d'énergie des peuples, oui. l'énervement des peuples. Oui. Et ce qui est drôle, parce que je l'ai retrouvé, et ça, je pense que Ruyère n'était pas au courant, mais euh, Raymond Aron avait fait un, un cours au Collège de France sur ce thème, en disant, euh, et alors il dit faute de mieux, parce qu'on ne peut pas théoriser cette idée, euh, on va dire que euh, les peuples, Ruyère, ça nous l'avait dit en cours, les peuples perdent leur énergie vitale. à force leur de processus d'entropie, en quelque sorte. exactement, oui, ça serait, ça serait dans ce sens-là. oui, euh, c'est-à-dire que il euh, y a une usure. trop de guerres, des conditions de vie difficiles, trop de... que, que l'europe a connues, euh, créer une usure et c'est difficile de, euh, de rebondir. on parlait pas encore de résilience à l'époque de, de, de Ruyère, <laughs> mais enfin, ça serait ça l'idée de, de la capacité de rebondir. ça demande des ressources d'énergie que certains peuples non plus ou perdent. Et donc dans ces cas-là, ben, au revoir. Ouais, <laughs> <Voilà. Ouais. rire> euh, alors j'avais évoqué à propos de la gnose de, de Princeton et de, de cet aspect un peu canularesque, mm -hmm. vous qui avez été un, 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 un élève de, de Raymond euh, ruyère et puis vous, la lecture de votre livre euh, le, 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 le met en évidence aussi, euh, l'homme ruyère est... Que, que, comment pourrait-on le, le professeur, mais aussi l'homme. Enfin, que, comment pourrait-on le, le décrire Parce que c'est assez rare de, de voir un, un esprit aussi, euh, à certains égards, encyclopédique. Oui. Enfin, hein, oui. il y avait cet aspect-là. Oui. Mais et, et aimer, rire, aimer oui. l'humour. Oui. Enfin, euh, et, et jusqu'à en faire avec la gloire de Princeton, pour une part, un, 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 un enjeu, euh, un, enjeu euh, un enjeu littéraire ou de publication, oui. éditoriale, disons. Le, alors, dans le cadre de, on peut préciser dans le cadre de la oui. gloire de Princeton. Oui. Ruyère, en 1974, a publié ses principaux livres théoriques, je vais dire. Euh, il a dit tout ce qu'il avait à dire et il n'est pas reconnu. Il pas, sauf de quelques-uns, qu'Anguilhem, à, 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 à l'Institut d'histoire des sciences, euh, Merleau-Ponty l'avait cité, mais il est mort en 1952. Euh, Merleau-Ponty fait un cours au Collège de France sur la nature et qui, qui utilise Ruyère, enfin les livres de Ruyère, les notions. Donc, il était reconnu par très peu de gens. Alors, Gilles Deleuze aussi va, va se référer à, à Ruyère, l'idée de survol absolu, des choses comme ça. Mais Gilles Deleuze s'est tellement hein, mis à caution, enfin, il a, il a tellement déliré avec, quand il a rencontré Guattari après 68, quoi, que bon, là, il faut être très prudent avec Gilles Deleuze. Et... Euh, en, doux, alors le, oui, l'agnos la de, de, la de Princeton, oui la de Princeton. Oui. Donc comme, comme il est il n'est pas reconnu, il va exposer ses idées en disant que c'est pas lui, c'est de, c'est <laughs> des physiciens, des biologistes voilà. américains, voilà, parce voilà. que ça fait il fait passer donc ses idées ça. là. Ça. Alors ça c'est le côté canular de côté normalien, canular. Oui ouais, ouais. bon d'où les malentendus. Qu'il y a eu à la lecture du livre, parce que le livre a eu un succès. Oui. Comme disait Louis Vax, qui était son, mmh. son assistant, qui son, travaillait à, à, à la faculté de danse avec lui, il me disait il a frôlé la gloire avec, <laughs> avec la gnose. Il n'a oui. oui. pas oui. eu la gloire, mais il l'a frôlé. Oui. Et donc, euh, oui, ça c'était. Alors, l'homme. Oui. Et le professeur. Le professeur. Ah oh, ben, le professeur, c'était un, un, un rêve. On allait en cours. Écouter Ruyère parler, son humour. Ruyère pouvait nous citer Alphonse Allais. Il, alors, il, il ne jouait pas au professeur. Il n'était pas pontifiant. Il ne. Euh, il posait pas, il prenait pas la pose, ce qui est souvent le cas, malheureusement, chez les intellectuels et chez beaucoup de professeurs, en particulier philosophie, mais un peu partout, psychologie, sociologie, où on, on se la joue un peu, on est. Lui, pas du tout. Il, oui, on, fait il, fond, on pose as au mandarin. Un mandarin. Alors lui, il n'était pas du tout mandarin. Il, il se prenait pas plus au sérieux que cela. Il, il, pour lui, la, la pensée était sérieuse, l'étude était sérieuse. Tout ça, c'était sérieux. Mais lui, bah il était comme, comme tout le monde. Enfin, c'était un homme... Euh, il avait une vie assez, assez austère, finalement. Hein, euh, pas de voiture. Frugal. Frugal, mmh. oui, exactement. Modeste. Un homme modeste, il se mettait pas en avant. Il ne cherchait pas à... À ce... il, aimait, il fuyait les, les mondanités un peu inutiles. Il n'était il pas trop. Euh... Alors, bon, il aimait donner, il allait donner des conférences quand on l'invitait, parce que c'était pour exprimer et exposer bien ses bien idées. Bien Mais euh, les mondanités en tant que telles, c'était pas son, son genre de. Il voyait très vite les limites de ce genre d'activité sociale. Très Très bien. Bien que notre émission euh, touche à sa fin, euh, merci beaucoup euh, Jacques bah, pour moi qui pour cette présentation de la pensée de Raymond ruyère Je rappelle le titre de votre ouvrage, La critique sociale de Raymond Ruyère aux éditions du Verbe Haut. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous venez d'entendre le monde de la philosophie dirigé par Rémi Soulier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 7 mars 2022 de 10h30 à 11h30 et réalisé par Josselin. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.